pourquoi avons-nous l'apparence que nous avons? C'est essentiellement à cause de cette bonne vieille planète Terre, son atmosphère, sa gravité, ce genre de choses. Quand tu t'évades sur une plage pendant une semaine, tu as tendance à bronzer. Ok, mais qu'en serait-il d'aller vivre sur une toute autre planète? Un astronaute a passé une année entière à vivre sur la Station spatiale internationale. L'apesanteur signifie qu'aucune gravité n'a été exercée sur son corps, si bien que ses os se sont affaiblis, ses muscles aussi. Cela a créé plus d'espace entre ses vertèbres. Il est donc devenu un peu plus grand, et ce, seulement en un an. Pour revenir à la plage, plus tu passes de temps au soleil, plus ton bronzage sera prononcé. Alors, si on allait vivre sur Mars ? Après quelques centaines d'années, le premier grand changement que tu pourrais remarquer est ton nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur la Terre, donc tes muscles et tes os s'atrophieraient probablement, ce qui n'est pas très bon pour survivre sur une nouvelle planète. La gravité nous fait ressentir notre poids différemment. Si tu pèses 75 kg sur Terre, tu aurais l'impression de ne peser que 25 kg sur Mars. Il faudrait que tu manges davantage pour devenir plus fort et plus grand, afin de compenser la faible gravité de Mars. Super ! Il est temps de faire pousser des os plus gros et plus forts, des organes, des muscles, etc. Il y aurait encore un changement radical. Ton plus grand organe, ta peau, est la barrière la plus importante qui te protège de... eh bien, de tout. Des germes, du vent, des rayons UV, ou même d'avoir un aspect totalement flippant. Bref, ta peau s'occupe de tout. Tu aurais peut-être besoin d'une toute nouvelle peau. Que penses-tu de... l'orange? Désolé, la peau verte appartient à la science-fiction, tandis que les caroténoïdes offrent une très bonne protection contre les UV. C'est ce qu'on trouve dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates, les citrouilles. Les maraîchers pourraient faire fortune sur Mars. Plus tu mangeras de ces légumes, plus ta peau deviendra orange. Si tu suivais un régime spécial et que tu portais un équipement de haute technologie, il y a des chances qu'un jour, vivre sur Mars soit tout à fait normal. Vivre sur Mercure serait vraiment difficile. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est clairement plus chaude que la Terre. Mais bizarrement, pas plus chaude que Vénus. Il y fait très chaud pendant la journée, environ 426 degrés Celsius, mais la nuit, il y fait moins 180 degrés. Les journées sur Mercure sont très longues. T'arrive-t-il de parvenir à la fin de la journée et d'avoir l'impression que tu n'as pas fait grand-chose? Pour régler le problème, déménage sur Mercure. Un jour sur cette planète dure environ 58 jours terrestres. Cela signifie que tu aurais beaucoup de temps pour te préparer à aller au lit, mais à mon avis, tu t'ennuierais probablement un peu. Une solution pour supporter ces conditions extrêmes serait d'être fait de métal, comme le titane, le nickel ou le platine. La vie sur Vénus serait bien pire que sur Mercure ou Mars. La pression y est déjà problématique. Tu souffrirais probablement d'un long mal de tête sans fin. Se tenir sur Vénus, c'est comme être à 900 mètres sous l'eau. Oh, et cette chose dont nous avons besoin à chaque instant de la journée. Le chocolat? Non, l'oxygène. Il n'y en a pas beaucoup qui flottent au-dessus de Vénus. Il y a du dioxyde de carbone partout et la surface de la planète est complètement sèche. Cela veut dire qu'il va faire chaud. 465 degrés Celsius. Il y a quelques espèces sur Terre qui peuvent survivre au point d'ébullition de l'eau. Et peut-être que si elles mutaient d'une manière ou d'une autre, elles survivraient à la folle chaleur de Vénus. 130 degrés Celsius est le record jusqu'à présent établi par une espèce de microbe. Prépare-toi donc à une transformation corporelle épique. Tu veux vivre sur Vénus? Tu devras probablement te transformer en un minuscule microbe pour survivre. Heureusement, l'atmosphère de Vénus contient de la phosphine, ce qui n'est pas génial pour les humains, mais les microbes adorent ça. Mais comme tu n'es pas un microbe, pas encore en tout cas, tu devras porter un équipement spécial pour contrôler la pression et respirer de l'oxygène. Ça ne se présente pas très bien. Peut-être que ce serait plus facile sur Jupiter. Oui, mais non. Cette planète n'a pas de terre ferme. Elle est faite d'hydrogène et d'hélium. C'est pourquoi on la classe dans les géantes gazeuses. Contrairement à Saturne, tu finirais probablement par flotter autour d'elle. Elle est comme un nuage géant et si jamais tu réussissais à atterrir, ce serait comme marcher dans un brouillard super épais. Les températures fluctuent beaucoup là-bas. Il gèle à la surface et l'atmosphère peut être super chaude en dessous d'elle. On ne le sait même pas vraiment. Si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langue parlée. Cette planète gazeuse absorbe les ondes radio. Donc même si tu pouvais parler, personne ne t'entendrait de toute façon.
Et il n'y aurait pas de musique, donc pas de soirée dansante. À quoi bon ? Les gens devraient communiquer en langage des signes. L'atmosphère sur Jupiter est chaotique, avec toutes sortes de vents et de nuages de gaz. Tu ne pourrais probablement même pas voir quoi que ce soit. Donc, ça n'arrivera pas. Pourtant, Jupiter est génial à regarder. Elle est si grande qu'elle pourrait contenir toutes les autres planètes de notre système solaire, et il resterait encore de la place. Un voyage sur Saturne te prendra encore une dizaine d'années, et ce serait une grande perte de temps. Saturne est principalement constituée de couches de gaz. Elle n'a pas de surface solide, donc l'agriculture, la construction ou toute autre activité normale sur Terre sont hors de question. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement explorer les fameux anneaux qui l'entourent. Mais tu échouerais, parce que les anneaux sont faits de millions d'éclats de glace qui flottent dans l'espace. On peut penser que Saturne conviendrait à la vie. Certaines couches de cette sphère de gaz géante ont en réalité une température assez agréable. Si tu plonges dans Saturne, tu arriveras à une couche de molécules liquides d'une température de 0 degré Celsius, comme le nord du Canada, l'Alaska, la Suède, sauf que tu ne peux pas marcher dessus. De toute façon, ce n'est qu'une couche mineure, et le reste de la planète est incroyablement froid. Donc si tu veux toujours vivre sur Saturne, tu as du travail devant toi. Il faudra te transformer en une boule de neige ou quelque chose comme ça. Qu'en est-il d'Uranus ? Le temps est un peu bizarre sur Uranus. Alors si tu es dans la région et que tu cherches un endroit pour passer tes vacances, choisis cette planète. Une escapade de 2 semaines sur Terre te donnera 3 ans sur Uranus. Il y a même une mer, si tu es partant pour des vacances à la plage. Le seul problème, c'est qu'elle est faite d'ammoniac, cette substance qui sent mauvais et qu'on utilise pour le nettoyage. Mais fais attention où tu atterris. Si tu te trompes, tu risques de passer une année entière sans soleil. Comment changerais-tu si tu devais passer une année entière dans l'obscurité glaciale de l'hiver d'Uranus ? Il te faudrait des yeux plus grands pour voir dans le noir et une peau plus épaisse pour empêcher le froid de pénétrer. Tu pourrais même développer un nouveau système auditif comme celui des dauphins. Passons à Neptune. C'est une autre planète gazeuse, mais les scientifiques pensent qu'il y a probablement un noyau dense à l'intérieur. Si tu faisais le grand saut pour vivre sur Neptune, tu te transformerais probablement en un reptile de l'espace ou un poisson cosmique flottant sans cesse à la surface. La gravité sur Neptune est juste un peu plus élevée que sur Terre, mais il serait vraiment difficile de rester au même endroit. Le vent y est super fort. Il faudrait être beaucoup plus lourd pour y résister. Il est temps de manger à nouveau. Youpi ! Mais cette planète est vraiment impossible à vivre. Les scientifiques ne veulent même pas y envoyer un autre vaisseau spatial. Bienvenue sur Pluton. Glaciale, minuscule et super lointaine. Ça n'a pas l'air très excitant. Elle est encore plus petite que notre Lune. Il serait très difficile de rester sur cette planète. Tu devrais probablement te construire une énorme machine qui te ferait tourner, une sorte de fausse gravité. Mais si tu essaies de tourner toute la journée, tu auras besoin de nouveaux systèmes nerveux pour éviter de te sentir mal à l'aise tout le temps. Pluton n'est pourtant pas si mal. Il y a un océan d'eau liquide sous la surface et des montagnes de glace. Si tu t'es procuré un équipement hautement perfectionné et un tas de matériel coûteux. Oh, et des vivres régulièrement acheminés depuis la Terre. Non, trop de logistique. La spaghettification. Tu te demandes si tu peux choisir ta propre sauce ? En fait, c'est un phénomène que tu pourrais éprouver si jamais tu essayais de vivre dans un trou noir. C'est le processus qui consiste à étirer des objets en longues et fines bandes cosmiques. La bonne nouvelle, c'est que tu vas devenir beaucoup plus grand. Mais la mauvaise, c'est que tu seras plus mince qu'un cheveu humain.